Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu au Cap Ferret. Merci beaucoup. Michel Onfray, soit nous évoquons la totalité de votre œuvre et dans ces cas-là, l'heure va y passer, soit je vous pose des questions directement. Je vais donc vous poser des questions directement. Bah non, vous me donnez le choix, donc on arrête à minuit. On peut aussi faire ça. Mais il va nous falloir quelques couvertures. Alors, tous les philosophes ont cette préoccupation de la transmission. C'est-à-dire écrire, parler pour autrui. Il faut l'oreille pour m'entendre, disait Nietzsche. Et juste avant vous, dans la rencontre avec Blanche Cerqui-Gligné, on a évoqué la difficulté de la concentration aujourd'hui. Avons-nous, selon vous, Michel Onfray, perdu le sens de l'attention, de l'amour des mots, le sens de la transmission aujourd'hui, ou au contraire, plus que jamais, sommes-nous dans une période qui renoue avec le principe de transmission ? Écoutez, moi, ce que j'ai aimé chez Blanche, c'est cette passion pour une jeune génération, enfin, pour une plus jeune génération que moi, je dirais, cette passion qu'a Blanche pour les classiques. C'est formidable, les classiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas classique par hasard. Et elle a dit beaucoup de choses importantes, Blanche, c'est-à-dire sur la construction d'un classique. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un jour un classique ? François Coppée, au XIXe siècle, était une vedette. Plus personne ne sait qui est aujourd'hui François Coppée. Et il n'y a pas un livre de François Coppée qui soit édité en livre de poche, qui soit dans les collections comme bouquins, comme la Pléiade ou des anthologies. Ce personnage a totalement disparu de la circulation. Et pourtant, il était une vedette. Les gens oublient que Zola n'était pas une vedette en son temps et qu'il a fallu, j'accuse, etc., un certain nombre de choses à faire Dreyfus pour que Zola devienne une vedette et que ça devienne aujourd'hui un classique. Donc ce que j'ai aimé chez Blanche, c'est un certain nombre d'informations qui ont été données sur la construction d'un classique. Comment construit-on un classique ? Pourquoi quelqu'un sort de la masse comme ça et devient un personnage qui est enseigné à l'école, qui devient une figure sur un timbre, qui donne son nom à une rue machin, place bidule, impasse Intel. Ça me paraît extrêmement intéressant. Sur la question de la transmission et d'aujourd'hui, je vais tenir un discours qui passe pour réactionnaire, conservateur, tout ce qu'on voudra, mais peu importe. Je dis simplement que moi, mon père était ouvrier agricole, il a quitté l'école à 12 ou 13 ans. L'école républicaine lui avait appris à lire, à écrire, à compter, à penser. Je suis en train de lire quelque chose que je n'avais jamais lu précédemment, ce sont Les Misérables de Victor Hugo. Je n'ai jamais lu. Et je suis en train de découvrir ce livre formidable. Mon père, avec son bagage, disait « Le père Hugo ». Le père Hugo. Et j'ai découvert que c'était une formule qui était utilisée au début du XXe siècle parce qu'elle avait été fabriquée avec la Troisième République, qui a fabriqué un grand auteur. Et mon père, qui donc avait cette culture de l'école communale, était capable de citer des vers de Victor Hugo. Un jour, il m'a parlé d'un texte de George Sand, sur un cheval qui avait été enterré dans un endroit où finalement la terre était poussée plus drue. Et je me disais, mais finalement, c'est une espèce de grande leçon panthéiste. J'ai cherché partout ce texte de George Sand. J'avais fait une université populaire consacrée à George Sand. Et il y avait là les spécialistes de George Sand à qui j'ai posé la question et qui m'ont dit, je ne vois pas ça chez George Sand, je ne trouve pas. Et un jour, par hasard, Homéric m'envoie son livre, Un dictionnaire amoureux du cheval. Et dans ce dictionnaire amoureux du cheval, je découvre cette histoire. Mon père s'était trompé, c'était Maupassant, c'était pas George Sand. Ceci dit, qu'un ouvrier agricole se trompe et estime que finalement cette histoire qu'il avait gardée en tête était de George Sand, alors qu'en fait elle était de Maupassant, montre quand même à quelle génération nous avions affaire. Prenez la génération d'aujourd'hui, je ne suis pas bien sûr qu'un ouvrier agricole d'aujourd'hui puisse parler de l'équivalent d'aujourd'hui du père Hugo, puisse se tromper sur une histoire dont il se serait souvenu, et dont il se serait souvenu justement, mais aurait confondu entre Maupassant et George Sand. Je pense effectivement que nous avons descendu un ou plusieurs crans, et que le classement PISA en fait la démonstration. Il y a des classements sociologiques qui nous permettent de savoir si les gens sont capables aujourd'hui de lire, de compter, de penser, de réfléchir, etc., etc. On fait des dictées, ce sont les mêmes, et on voit comment les dictées sont faites. On voit à quoi ressemble aujourd'hui la transmission à partir de la chose transmise. Qu'avez-vous retenu de ce qui a été transmis ? Réponse, pas grand-chose. On a un nombre considérable d'enfants illettrés qui rentrent en collège.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'école fabrique des illettrés? Qu'est-ce que ça signifie? Donc oui, je pense que après mai 68, il y a eu une espèce de destruction qui a été, sur certains aspects, bienvenue. Et c'est vrai qu'on était dans une espèce de logique patriarcale avec l'homme blanc dominant, avec le patron, le chef, etc. L'homme, le père de famille, le mari, il y avait une domination sans partage. Ça tombait du ciel, c'était ainsi, on était sur le principe de Saint-Paul. Et puis d'un seul coup, on nous dit, mais non, c'est pas forcément ça. Donc c'est une bonne chose d'en finir avec cette espèce de modèle transcendant. Mais c'est une mauvaise chose de ne pas avoir trouvé un modèle alternatif. Et l'absence de modèle alternatif a fait qu'on a dit n'importe quoi et qu'on a commencé à dire, mais les enfants n'ont qu'à faire confiance à leur instinct, à leur émotion, à leurs sensations, à leur perception. C'est pas la peine d'apprendre à dessiner une perspective, c'est pas la peine d'apprendre le solfège, c'est pas la peine d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Les structuralistes ont fait beaucoup de mal en disant qu'il y avait des structures cérébrales et que ces structures cérébrales faisaient que de toute façon le langage surgirait un jour, même si on ne l'apprenait pas aux enfants. On sait très bien aujourd'hui que si on ne parle pas aux enfants, ils ne parleront jamais. Donc c'est pas la structure du langage qui est présente dans le cerveau d'un enfant, c'est qu'il faut une interaction avec les enfants pour que le langage puisse surgir plus ou moins bien en fonction des familles. Et donc la transmission est effectivement à faire, c'est une vérité de la police, mais est une affaire de transmetteur. Mais c'est aussi une affaire de choses à transmettre. Qu'a-t-on aujourd'hui à transmettre? Ce que disait Blanche était intéressant parce qu'on pourrait s'attendre à une espèce de définition minimale en disant, mais si nous transmettions les classiques? Les classiques ne sont pas classiques pour rien. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de sélection qui fait que des vedettes d'une époque ont cessé d'être des vedettes d'une époque et rentrent dans le domaine des classiques, si ce n'est parce qu'ils sont dans la formulation de l'universel? Pourquoi est-ce que les peintres dont on a dit qu'ils sont des pompiers, simplement parce qu'ils étaient capables de peindre des casques de pompiers, que sur le casque de pompiers, on voyait un reflet comme si c'était un véritable casque. Et on s'est dit, ces peintres-là sont sans intérêt, parce que finalement, il y a des gens qui disent la vérité de la peinture et qui sont des impressionnistes. Et d'un seul coup, on a vu que les impressionnistes disaient autre chose de la peinture et rendaient quelque chose d'autre possible dans la peinture. Après, on a l'abstraction, et puis etc. Enfin, tout le reste de l'histoire de la peinture. Je pense simplement que nous avons oublié ce qu'il y avait à transmettre sous prétexte que ce que nous aurions à transmettre, ce serait des gens qui sortiraient de la norme. Et dans cette époque qui se prétend égalitariste, mais qui a la haine de la différence, eh bien effectivement, un classique, c'est une insolence. Pourquoi un classique ? Donc tout le monde est capable d'être un classique, tout le monde vaut tout le monde, et après tout, la littérature, si un enfant se met à écrire 10 lignes, quels seraient les critères qui nous permettraient de savoir que ces 10 lignes d'un enfant seraient supérieures à celles d'un Michel Houellebecq, d'un Daniel Rondeau qui vient de rentrer à l'Académie française, par exemple. Et c'est cette incapacité à la hiérarchie. Et je rappelle que la hiérarchie, c'est étymologiquement le pouvoir du sacré. Alors évidemment, on peut avoir un sacré païen, pas besoin de renvoyer à Dieu, mais juste dire qu'effectivement, il y a dans des romans, par exemple, ou dans des œuvres d'art, une capacité à saisir l'universel qui fait qu'on peut produire un classique et qu'on doit transmettre ce classique aux enfants. L'enseignant doit pouvoir dire, on va lire tel ou tel auteur, parce qu'il y a, chez machin bidule un tel, un contenu universel. La Fontaine, parce que La Fontaine nous dit quelque chose sur la nature humaine. Je ne sais pas, après, Madame Bovary, parce que Madame Bovary nous dit des choses sur le couple, sur ce qu'on appelle le bovarisme, sur le désir, la souffrance, etc. Mais après, pourquoi pas Proust? Je veux dire, Proust, c'est quoi? C'est l'aristocratie qui s'effondre et la bourgeoisie qui surgit. C'est l'affaire Dreyfus qui est entre deux. C'est la fin des valeurs de l'aristocratie qui effectivement avait des valeurs mais n'avait pas d'argent, et l'avènement de la bourgeoisie qui n'avait pas de valeur mais qui avait l'argent. Et c'est cette tension entre l'aristocratie et la bourgeoisie qui fait la recherche du temps perdu. À charge pour l'enseignant de dire, nous allons vous enseigner, Madame Bovary, nous allons vous enseigner la recherche du temps perdu, mais d'autres choses. Ça peut être aussi bien Soumission de Houellebecq aujourd'hui que d'autres ouvrages. Je parlais tout à l'heure de La Fontaine, mais ça pourrait être n'importe quel classique, justement, qui permettrait à des gens qui savent, les enseignants, de transmettre à des gens qui ne savent pas, les enseigner, en partant du principe que, oui, il y a une inégalité, et elle est naturelle, cette inégalité qui fait qu'un enfant à l'école est censé en savoir moins qu'un enseignant qui l'enseigne. C'est une espèce de vérité d'évidence qu'il faut redire aujourd'hui, parce qu'après mai 68, on estime que les enfants ont des choses à apprendre aux enseignants. Et que les enseignants ont à se mettre à l'école des enfants qui ont des choses à leur apprendre, c'est-à-dire en marche sur la tête. Donc je persiste à croire que non, il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Tout à l'heure, je parlais à quelqu'un qui était chirurgien. Personne
personne n'accepterait de se faire opérer par quelqu'un qui dirait, mais moi j'ai un CAP de charcutier, j'ai envie de vous opérer, et vous avez un problème d'appendicite, après tout, il n'y a pas de raison que je ne vous opère pas. Personne, en prenant l'avion, dirait, mais finalement, ce type, il a un certificat pour conduire des ULM, mais il a envie de conduire un Boeing, et je vais rentrer dans l'avion. Personne ne donnerait sa peau à quelqu'un qui ne serait pas pilote, et qui ne serait pas chirurgien pour se faire opérer ou pour se transporter en avion. Parce qu'il y a de la compétence et qu'on reconnaît la compétence. Et c'est normal. Un chirurgien, il est compétent ou il ne l'est pas. Enfin, quelqu'un est compétent pour être chirurgien ou ne l'est pas. Même chose avec un pilote. Eh bien, ça devrait être la même chose avec tout le monde. Même avec un charcutier. Même avec un boulanger. La compétence du boulanger est nécessaire pour avoir un joli pain, un bon pain, un pain digne de ce nom. Et je pense que nous devrions restaurer la compétence et faire de telle sorte que les enfants aspirent à la compétence. Il faut faire de telle sorte que chez chaque enfant, nous puissions, quand on est enseignant, moi j'étais 20 ans prof, aller chercher ce dont l'enfant est potentiellement porteur. Et on peut avoir un grand laboureur, on peut avoir un grand président de la République, on peut avoir un grand boulanger, on peut avoir un grand chirurgien. Chez les enfants, il faut faire des enfants qui soient accomplis simplement parce qu'ils auront trouvé ce qu'il y avait de mieux en eux. La transmission, pour moi, c'est ça. C'est d'aller, quand on est un enseignant, chercher ce qu'il y a de meilleur chez l'enseigné et lui transmettre ce qui lui sera utile pour s'épanouir. Alors, vous avez été enseignant, vous avez aussi monté cette université d'été et en même temps, vous avez aussi... Pas d'été, populaire. Pardon. Et je tiens au mot. Excusez-moi. Justement, populaire. Et vous avez alors, d'autant plus raison que c'était le sens de ma question. Cette université populaire et dans le même temps, donc, Sagesse est sortie, donc cet ouvrage dans lequel vous parlez beaucoup de la transmission chez les Romains aussi, donc du principe du sage et du maître de l'élève, donc avec un rapport assez binaire. Or, dans ces universités populaire, vous étiez finalement dans une transmission tout à fait différente, dans un principe de transmission tout à fait différente. Donc se pose la question aujourd'hui du rapport binaire encore existant, vertical, horizontal, c'est-à-dire quel est le cadre aujourd'hui, selon vous, Michel Onfray, qui est propice à une transmission adaptée à l'époque ? Votre présence témoigne, c'est-à-dire qu'il y a un vrai désir de savoir. Moi, j'ai été jeune prof dans un lycée technique, et quand j'étais jeune auteur aussi, et je faisais des conférences un peu partout et j'avais 3 jours de cours. Enfin, mon emploi du temps était sur 3 jours et puis le reste du temps, j'allais ici ou là parler dans des librairies. Et il y avait plein de gens, des gens debout, assis, des gens devant, par terre, etc. Et quand on faisait ces rencontres, ces gens me disaient « Ah, c'est dommage que vous partiez, quand est-ce que vous revenez ? C'est bien, on a pu se dire des choses, etc. » Et j'ai mesuré ainsi le désir de savoir, le désir de partage, le désir de fraternité intellectuelle. Et je me suis dit « Il y a cette demande ». Et où est l'offre ? Où est l'offre quand il y a une demande d'intelligence ? Enfin, je ne parle pas de moi, mais je dis au sens large, une demande d'intelligence au sens étymologique, intelligérer, c'est-à-dire comprendre les choses. On a une œuvre d'art contemporain, le plug anal, je ne sais pas quoi, le vagin de la reine, et on se dit, mais j'aimerais bien comprendre ces œuvres-là. Pourquoi ces gens font ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une œuvre d'art ? Pourquoi est-ce une œuvre d'art ? Comment est-ce que ça a pu devenir une œuvre d'art ou je ne sais quoi ? Où sont les lieux dans lesquels on est susceptible de répondre à ces questions-là ? Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas à la télévision, ce n'est pas non plus à l'université. Où sont les endroits dans lesquels on peut dire, ben oui, tiens, j'aimerais bien essayer de résoudre un certain nombre de questions que je me pose, du genre, pourquoi l'époque est ainsi, pourquoi, je sais pas, on veut réfléchir à la procréation médicalement assistée, à la gestation pour autrui, etc., etc. Enfin, toutes les questions qu'on se pose et qui restent sans réponse, et bien, finalement, ça crée, j'aime pas ce mot, mais je veux dire, une espèce de marché de la demande, une espèce de demande intellectuelle. Et je dis, mais où est l'offre ? Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, je quitte l'éducation nationale, où j'étais payé comme fonctionnaire, évidemment, et je crée l'université populaire, où j'ai toujours été bénévole. Je n'ai pas gagné un centime avec l'université populaire de 2002 jusqu'à l'an dernier, où mon ami Emmanuel Macron m'a contraint à arrêter parce qu'il m'a viré de France Culture, parce que le maire de Caen m'a viré de Caen, parce que tous les gens m'ont viré de partout, et que je dis, je ne veux pas continuer à me battre pour travailler gratuitement, ça va, je vais arrêter, ça va me faire des vacances. Mais cette idée qu'effectivement, il fallait trouver des lieux alternatifs pour le savoir, faire de telle sorte que quand quelqu'un s'en va et quitte l'école, eh bien, et on puisse lui dire, tu as une autre chance ailleurs, et ça va être gratuit. Et ça va ne rien te coûter. Et surtout, ça va te permettre d'entrer, ça va vous permettre d'entrer dans un lieu où peut-être vous n'auriez jamais mis les pieds. Au départ, parce que là, l'université de Caen a voté massivement contre moi pour m'interdire la location. Je demandais l'autorisation de payer 3000 euros pour faire des cours gratuits. Et l'université de Caen a voté massivement contre moi. Mais je veux dire que quand, au départ,
Une directrice de l'université m'a dit, mais moi j'adore ce que vous faites et je vous prête les lieux. Il y a des gens qui sont venus quasiment les larmes aux yeux me dire, mais vous ne pouvez pas imaginer, grâce à vous, on a pu entrer sur un campus, pousser la porte d'un amphithéâtre et s'installer dans un amphithéâtre alors qu'on n'a pas le bac, alors qu'on n'a pas de diplôme, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Et je dirais, mais toute cette espèce d'humiliation qu'ont subi plein de gens à qui on a dit la culture, c'est pas fait pour vous. Et d'un seul coup, on leur disait, mais c'est pour vous si vous voulez, si vous le désirez. Vous avez une demande de savoir, une demande de philosophie, il y a une proposition qui vous est faite. Et moi, je rendais possible cette proposition de philosophie. Je pense que toutes ces occasions-là, elles sont toujours potentiellement quelque part ici. Alors effectivement, ici, monsieur et madame Lillet qui font des choses formidables, parce qu'il faut des mécènes. Mécène est un personnage dont on ne parle pas assez. Mécène a rendu possible Virgile, Horace, tous les poètes, tous les grands poètes. Alors évidemment, Horace dit du bien du prince, parce que c'est normal, c'est donnant-donnant d'une certaine manière. Mais en même temps, on oublie, il y a la même chose avec les Médicis, il y a toujours eu des grands personnages qui, à un moment donné, ont dit, nous on a l'argent, on croit à ce que vous faites, on va vous aider. Moi j'ai cherché l'argent partout, c'est-à-dire que pendant 16 ans il a fallu qu'on aille chercher l'argent avec les dents, et puis à un moment donné où c'est devenu tellement compliqué qu'on a dit bon, on arrête. Il faut simplement que des lieux alternatifs rendent possible la distribution du savoir. La transmission du savoir n'est possible aujourd'hui que si on sort du cadre institutionnel. Ça ne marche plus à l'école, ça ne marche plus au primaire, ça ne marche plus au collège, ça ne marche plus au lycée, ça ne marche plus à l'université, ça ne marche plus dans les grandes écoles. On fait autre chose. Dans les écoles, on fabrique de la chair à canon. On fabrique du crétin susceptible de supporter l'époque et d'y consentir absolument. C'est ça qu'on fait. Moi, j'ai fait 7 ans d'anglais à l'école. Je suis incapable de demander ma rue à Londres. Qu'est-ce que j'ai appris pendant 7 ans ? J'ai appris la docilité, la soumission, l'obéissance, etc. Donc il faut créer des lieux alternatifs où vraiment la transmission puisse se faire à nouveau. Des festivals, des universités populaires, des endroits. Et Denis m'aide beaucoup, par exemple, à faire des choses sur le net. Je pense effectivement Denis que... Denis Mola. M'aide beaucoup à faire des choses sur le net parce qu'il se peut que ce soit aujourd'hui l'université de demain. Une espèce d'université vraiment populaire, pour le coup, une université populaire numérique, qui pourrait faire que des jeunes qui n'auraient pas envie de se déplacer physiquement. Parce qu'après tout, vous dites, on a des enfants, on a une copine, on a du boulot, etc. Mais d'un seul coup, vous êtes chez vous à 10h du soir et vous dites, ben, à 22h, je peux me brancher sur Internet et aller chercher un cours qui m'intéresse, une information qui m'intéresse, puis m'arrêter parce que je suis fatigué, je reprendrai la suite demain, etc. Donc je pense qu'il y a des possibilités aujourd'hui pour transmettre véritablement en dehors de l'institution, avec justement des endroits où on est dans la proposition de qualité. Il ne faut pas mépriser les gens. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait hisser les gens jusqu'à la culture et pas baisser la culture jusqu'aux gens. Parce qu'effectivement, dans ces cas-là, on est dans la démagogie. Si on baisse jusqu'aux gens, on dit ben voilà, ce que vous aimez, c'est formidable, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et moi, je dis non. C'est ce que disait Blanche tout à l'heure. Il ne faut pas dire aux gens, on va trouver 2 ou 3 trucs qui pourront vous plaire dans Homère. Non, non, il faut dire, nous allons vous grimper jusqu'à Homère. Nous allons vous grimper jusqu'à Dante, jusqu'à Rabelais, jusqu'à Nietzsche, jusqu'à Kant. Et c'est le travail de l'enseignant. C'est le travail de celui qui sait, d'initier celui qui ne sait pas. Moi, je crois à l'initiation. Et la franc-maçonnerie, c'était ça à l'origine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sur un... Je ne suis pas franc-maçon, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui sur un chantier disait, viens par ici... Eh bien, cette pierre que tu as devant toi, il va falloir la sculpter. Il va y avoir un travail à faire. Tu as un marteau et un burin. Fais-moi voir ce que tu fais. Alors, l'apprenti fait quelque chose, le compagnon fait quelque chose. Et le maçon lui dit, qui est franc, c'est-à-dire qui donne son secret, lui dit, je t'ai désigné toi parce que toi, j'ai vu que tu avais des capacités. Ne tiens pas ton marteau comme ça, ne tiens pas ton burin comme ça, tiens-le comme ça, tiens-le comme ça. Attaque ta pierre comme ça, vas-y, fais ton geste, tac, tu vois comment ça marche. Et ben voilà. Eh bien, c'est toujours ça, la transmission d'un enseignant à un enseigné. C'est-à-dire quelqu'un sait et transmet à quelqu'un qui ne sait pas. Mais c'est le préalable. C'est-à-dire que si on commence par dire dans l'éducation nationale que celui qui est censé savoir en sait moins que celui qui est censé ne rien savoir, ça ne marche pas. Si c'est l'enfant qui doit apprendre des choses à l'enseignant, ça ne marche pas. Il faut avoir l'audace de dire non, des gens savent
et des gens ne savent pas. Des gens initient et des gens sont initiés. Moi, j'ai eu un vieux maître et je suis très honoré d'avoir eu un vieux maître et de lui rendre hommage autant que faire se peut. Et tous les gens, je parlais de monsieur qui était tout à l'heure, que j'ai rencontré, qui était chirurgien. Monsieur qui était chirurgien, quand il est devenu chirurgien, il y a des maîtres qui lui ont appris les gestes, ce qu'il fallait faire, etc. Et lui, il apprendra à d'autres de faire les gestes qu'il faut faire, etc. Donc la transmission est nécessaire et elle suppose l'humilité de celui qui ne sait pas et qui se met aux ordres, à l'écoute, mais aux ordres de celui qui sait et qui dit « j'écoute, j'apprends, transmettez-moi, dites-moi, racontez-moi » et j'ai cette modestie de l'apprentissage. Or, on est dans une époque d'orgueil absolu, où les gamins ont 15 ans aujourd'hui, et moi j'ai eu une discussion avec la fille d'un ami il y a quelque temps, qui me disait que j'étais islamophobe, etc. Je dis, bon, d'accord, très bien. As-tu lu le Coran ? Non. As-tu lu les hadiths du prophète ? Non. As-tu lu une biographie du prophète ? Non. Connais-tu un peu une histoire de l'islam ? Non. As-tu jamais mis les pieds dans un pays musulman ? Non. Je dis, moi, j'ai fait tout ça. J'ai lu le Coran, les hadiths du prophète, etc. J'ai visité une dizaine de pays musulmans. Je te dis quelque chose, mais je suis islamophobe. C'est toi qui sais ce que... Il me dit, mais moi, je pense par moi-même. Formidable. Elle n'avait rien lu, elle avait 15 ans, elle pensait par elle-même. Donc effectivement, je ne veux pas dire que comment j'aurais été, mais moi à 15 ans, je ne suis pas sûr que j'aurais dit à quelqu'un qui aurait écrit des livres, etc., qu'il disait ceci ou cela, je ne me serais pas permis de le juger, mais je me serais permis de l'écouter en lui disant, j'ai un avis, mais peut-être est-ce que je me trompe en ayant cet avis, expliquez-moi, racontez-moi des choses, mais ça suppose une humilité. Dire, mais oui, vous avez votre âge, donc vous avez un savoir que je n'ai pas, etc. Mais là, pas du tout. On est dans une génération qui fait que on se dit, mais non, moi je sais des choses. Je suis il y a quelque temps sur le plateau de Yann Barthès pour un livre, voilà. Et d'un seul coup, on vient m'expliquer que le savoir, ça sert à rien pour l'émotion et pour la perception et pour la sensation. Ben, enfin, et du mais non, mais l'émotion, ça suffit. Mais non, petit crétin que vous êtes. C'est-à-dire que on me sert un vin comme ça, et puis d'un seul coup, je mets le nez dedans et je dis, oh, ça sent fort, ça pue. Oh, ça fait un drôle de truc. Et mais après tout, je suis légitime. Ben non. Savez-vous ce que c'est qu'un vin de Jura? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Etc. Apprenez avant de juger. Accepter que des gens qui puissent vous transmettre, et Denis Mola m'a appris beaucoup de choses sur le terrain du vin pour que je puisse commencer à avoir un jugement. On ne peut pas se permettre d'avoir un jugement uniquement en disant « je m'autorise de moi-même ». On ne peut avoir un jugement que quand on s'est autorisé d'une expérience qui aurait été rendue possible par quelqu'un qui aura transmis son savoir, qui aura dit « moi je sais, je vais vous apprendre, je vais vous transmettre ». Et c'est un bonheur. Je trouve que c'est toujours un bonheur d'apprendre. Simplement, on est dans une époque où les gens disent « mais moi, je n'ai pas envie d'apprendre, j'ai autre chose à faire, c'est trop compliqué, il y a des mots que je ne connais pas, etc. » Mais je dis « mais c'est un bonheur pour moi quand je lis un livre dans lequel j'apprends des mots. » Et vous me dites « ah non, c'est trop gros, c'est trop épais, il y a des mots que je ne comprends pas, je n'ai pas envie de faire des efforts. » Donc la transmission n'est plus possible quand des gens n'ont pas envie qu'on leur transmette quelque chose parce qu'ils estiment qu'ils savent déjà tout. Dans le même sens, en chinois, le mot transmission s'écrit avec deux signes. Le premier veut dire danger, le deuxième opportunité. La transmission, c'est aussi l'émancipation. Donc se pose la question quand même du lien entre le pouvoir et l'éducation. C'est-à-dire que vous parlez de ceux qui ne veulent pas être initiés, mais aussi de l'intérêt de ceux qui pourraient initier et qui finalement ne sont pas forcément dans une époque où ils vont pousser dans ce sens-là. Écoutez, on n'éduque que des cerveaux. Des corps, donc des cerveaux. C'est-à-dire que dans un cerveau, il n'y a rien, a priori. Quand je dis a priori, ce n'est pas à la naissance. Hein. C'est-à-dire, quand un enfant naît, il a déjà 9 mois de vie intra-utérine. Et avec 9 mois de vie intra-utérine, il a déjà un nombre considérable d'informations. Et donc, quand vous arrivez au monde, même chose, infants, l'étymologie d'enfant, ça veut dire qu'il ne parle pas. Et pendant très longtemps, on a dit qu'il ne parle pas. Le jour où il parlera, ça deviendra intéressant à un enfant. Oh, terrible, c'est faux. Je veux dire, jusqu'à ce qu'un enfant paraisse, il parle, il s'est passé un certain nombre de choses. Et on doit pouvoir transmettre à ses enfants un certain nombre de potentialités. Ce qui est important, ce n'est pas forcément ce qu'on apprend, même si, mais c'est ce qu'on apprend. Pour le dire autrement, si vous n'entretenez pas votre mémoire, vous n'aurez pas de mémoire. Et si vous l'entretenez bêtement, en disant à quelqu'un vous allez bêtement apprendre des pages entières de numéros de téléphone, c'est complètement ridicule. Sauf que vous avez créé dans votre cerveau des synapses qui vont rendre possible une efficacité sur autre chose. Aujourd'hui, on ne sollicite plus le cerveau. Quelqu'un qui dirait, mais moi je disais à mes élèves,
Je leur raconte une histoire. Quand je suis arrivé au service militaire, on a dit, bon, maintenant, vous êtes dans des commandos, des machins, il va falloir faire, 30 km en courant, etc. Personne n'était capable de ça. Au départ, on a démarré et on nous a dit, ben, dans 2 mois, à la fin des classes, vous allez pouvoir le faire. Évidemment, tout le monde s'effondrait, tout le monde crachait tout, son alcool, son tabac, etc. Et puis, 2 mois plus tard, tout le monde courait. Parce qu'on avait entraîné le corps, c'est-à-dire la chair, les muscles, etc. Si on n'entraîne pas le cerveau, il est obèse. C'est-à-dire qu'il ne peut pas penser, il ne peut pas réfléchir. Et l'entretien du cerveau, c'est dès le ventre de la mère. Dès le ventre de la mère. Il se passe des choses dans ces 9 mois qui supposent qu'il y a une matière qui se constitue. Et cette matière, elle est ou elle n'est pas sollicitée. Elle est plus ou moins bien sollicitée. Les enfants arrivent, ils sont plus ou moins sollicités. Avant qu'ils ne parlent, ils sont plus ou moins sollicités. À l'école ou dans le milieu familial, ils sont plus ou moins sollicités. Ce n'est pas étonnant si, au bout d'un certain nombre d'années, des enfants qui n'auront jamais été cérébralement sollicités ne soient pas intellectuellement disponibles pour une pensée, pour une réflexion. C'est évident, ça me paraît évident. Mais comme aujourd'hui, on est dans une espèce de dénaturalisation, c'est un des signes du nihilisme aujourd'hui. C'est-à-dire on est dans la dénaturalisation. On n'a pas de corps, on n'a pas de sexe, on n'a pas d'hormones, on n'a pas de muscles, on n'a pas de cerveau, on n'a rien de tout ça. Je suis un garçon, mais si j'ai envie d'être une fille, il n'y a pas de problème. Si je suis une fille, j'ai envie d'être un garçon, pas de problème, c'est comme tu veux mon chéri, vas-y, etc. Hey, ça existe les hormones. Les garçons qui veulent devenir filles, on appelle ça fluent, gender fluent, je ne sais pas quoi, j'ai vu ça, formidable. Eh bien, ce sont quand même des garçons qui veulent devenir des filles, ou des filles qui veulent devenir des garçons. Et quand on veut changer de sexe, qu'est-ce qu'on fait? On a des injections hormonales et des opérations chirurgicales. Alors, je veux bien qu'on dise que la nature sait rien, mais quand on veut changer de sexe, on s'aperçoit que la nature sait tout. Ce sont les hormones ou la chirurgie. Donc, il y a juste un moment donné où il faut que l'éducation passe par cette information élémentaire que l'éducation, c'est du dressage neuronal. J'avais utilisé cette expression il y a très longtemps. On m'a dit, oh là là, dressage, dressage, etc. Je dis, ah oui, mais c'est comme vous voulez. Ou vous faites du dressage neuronal et vous avez effectivement des cerveaux dignes de ce nom. Ou vous ne faites pas de dressage neuronal et vous aurez des sauvages. Vous aurez des sauvages, c'est pas compliqué. Des enfants rois, qui peuvent finir d'ailleurs par être président de la République, hein, c'est pas un problème. Mais je veux dire, a priori, il faut faire un dressage neuronal qui permettra de dire, ce que je vais utiliser les catégories de Freud, c'est pas les miennes, mais je veux dire ce que Freud appelle le ça et le surmoi. Il y a un inconscient qui sont les puissances, les désirs, les envies, etc. Et puis il y a un surmoi qui dit non, tu fais pas ça. Ça non, tu fais pas. Voilà, ça se fait pas. Bon. Et donc cette espèce de dialectique du ça se fait pas, oui, non, c'est bien, c'est mal. Ce sont des choses qu'on ne transmet plus sous prétexte de fascisme, sous prétexte, etc. Mais non, il faut effectivement transmettre ce que les lacaniens appelaient la loi. Un enfant qui ne rencontre pas de loi est un enfant désespéré. Un enfant à qui on dit oui tout le temps est un enfant désespéré. Un enfant, il doit savoir que ça, c'est oui, ça, c'est non, et ça, on transige. Ça, ça se discute. Peut-être là-dessus, oui, d'accord, tu veux quoi? Oui, d'accord, mais oui, non, peut-être, oui, finalement, tu as raison, allons-y. Mais en même temps, ça c'est non, toujours, ce sera toujours non là-dessus. Ça c'est oui, toujours. Et ça c'est du dressage neuronal. Et la transmission, pour moi, ne passe que par cette idée du dressage neuronal. Nous ne pouvons, quand on est parent, quand on est enseignant, mais quand on est même en relation avec des enfants, des amis qui ont des enfants, moi je m'estime être redevable du dressage neuronal aussi, en disant ah, mais non, moi je ne vais pas jouer le jeu de la démagogie avec toi, je ne suis pas d'accord. Et à ce moment-là, effectivement, on découvre que un certain nombre de jeunes n'ont plus l'habitude de rencontrer le dispositif qui fait qu'une transmission est possible ou pensable. Je n'ai rien à apprendre de toi, t'es un vieux con, et je sais tout. Et les gamins qui finalement sont dressés à l'école avec le truc habituel, hein, c'est-à-dire le réchauffement climatique, le tri sélectif, le vivre ensemble, le communautarisme extraordinaire et formidable, etc., etc. La trottinette fantastique, enfin, toutes ces choses qu'on enseigne à l'école, pendant ce temps-là on n'apprend pas à lire, à écrire, à compter, à penser, toutes ces choses-là font qu'on a une espèce de dressage neuronal dans un sens, mais peut-être qu'on pourrait aussi avoir un dressage neuronal, comme le disait Blanche tout à l'heure, en disant mais maintenant on va peut-être, je ne sais pas, par exemple, prenons Cyrano de Bergerac et après enfin le d'Edmond Rostand, pas le philosophe, encore que on peut prendre le philosophe aussi, mais et puis analysons cette œuvre. C'est difficile de lire Racine ou Corneille quand on est au collège, c'est difficile de lire Eschyle ou Sophocle, mais il faut y parvenir. Mais peut-être qu'avec le panache, la philosophie du panache par exemple de Cyrano de Bergerac, on peut faire entendre aux enfants que ils peuvent s'élever.
Moi, je suis contre la littérature dite pour enfants ou dite pour adolescents, parce que j'estime que c'est une littérature qui entretient les enfants dans l'enfance et les adolescents dans l'adolescence. Je reviens à mon père, j'ai découvert le livre de lecture qui était celui de mon père. Et mon père, il est comme les enfants de son âge à cette époque, il apprenait le monde avec Racine, Corneille, La Fontaine, Boileau, Molière, avec les grands classiques, avec Chateaubriand, avec Musset, avec Georges Sand, etc. etc. Aujourd'hui, on apprend, les jeunes et les enfants apprennent le monde avec une littérature qui est faite pour eux. Donc genre, on va parler comme toi, avec des tics de langage. On va te faire voir un papa qui n'est pas sûr d'être un papa, une maman qui n'est pas sûre d'être une maman, puis un papa qui divorce avec sa maman pour se marier avec un chauffeur routier qui est son papa et qui est son deuxième papa, etc. Et puis, formidable, là on a des prix, Salon du Livre de Montreuil, je ne sais pas quoi, là, c'est formidable. Tout ça, c'est... Et on fabrique des enfants comme ça en disant « Mais vous avez vu, ils sont fluent d'un point de vue de la sexualité. Ben, » évidemment, vous allez les fabriquer comme ça. On a des anorexiques qui s'en viennent, la petite Suédoise, là, je ne sais plus, qui s'en viennent nous dire le climat, etc. Mais cette gamine, on l'a dressée pour être comme ça. Elle nous dit ça, et les journalistes qui l'ont dressée comme ça, puisqu'ils défendent ce monde-là, disent « Vous avez vu, elle dit la vérité. La vérité sort de la bouche des enfants. » Et d'un seul coup, les adultes se mettent à genoux devant les enfants en disant « Mais oui, c'est vrai, ils nous disent quand même qu'il faut préserver la planète. Oh là là, on est des méchants adultes, et comme les enfants ont raison de... » Non, les enfants ne savent pas des choses que des adultes savent. Les enseignants savent des choses que les éduqués ne savent pas. Ceux qui savent des choses que les autres ne savent pas. Un chirurgien sait des choses, un pilote d'avion sait des choses, un horticulteur, un ouvrier agricole, un paysan, un boulanger savent des choses. Et ceux qui savent, ils peuvent le transmettre. Si on a déconnecté cette idée du « il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas » et ceux qui savent doivent transmettre à ceux qui ne savent pas, il n'y aura jamais plus de transmission. C'est la meilleure façon d'entretenir le nihilisme. Donc la transmission serait tout à fait liée à la tradition ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que la transmission, c'est ce qui va permettre à des enfants d'être intelligents avec un objet ancien. C'est ce que disait Blanche, hein, c'est-à-dire que l'intérêt d'un classique, c'est pas que ce soit un classique, c'est qu'il soit universel. C'est-à-dire que quand on lit La Fontaine, eh bien, on découvre que cette poésie écrite au XVIIe siècle, elle nous dit des choses qui fonctionnent pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se dit, mais la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et ben oui. Et Rousseau n'aimait pas qu'on transmette ça aux enfants. Il le dit dans l'Émile, il dit qu'il faut arrêter avec La Fontaine, parce que La Fontaine, il montre des choses terribles, etc. Évidemment, Rousseau, il voulait enseigner le mensonge. Les hommes sont beaux, formidables, etc. La société est terrible, les hommes naissent naturellement bons, etc. Et La Fontaine dit non, pas du tout, les hommes, ils naissent comme ça, quoi. Donc si on raconte une histoire, Chêne et le roseau, enfin, tout ce qu'on apprenait, le corbeau et le renard, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, le loup et le chien, formidable. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la chose, attaché, etc. Et d'un seul coup, on se dit, mais regardez, dans la vie, il y a les loups et les chiens. Dans la vie, il y a des corbeaux et des renards. Dans la vie, il y a des chênes et des roseaux. Et d'un seul coup, il s'agit de dire aux enfants, mais ce que vous avez appris chez La Fontaine ne doit pas vous servir juste pour savoir que La Fontaine le disait, mais savoir que La Fontaine le disant, et vous rend possible la compréhension de ce qui est et de ce qui va advenir. L'éducation, ce n'est pas tromper les enfants sur ce qui les attend. C'est leur dire, moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire des enfants. Maintenant, quand on les a fait, on les a fait, on les a fait. Mais quand on les a fait, on leur dit, bon, ben, ce qui t'attend, ce n'est pas un chemin de rose parfumé. Ce n'est pas du tout comme ça. Tu verras, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Tu verras, etc. etc. Et cette transmission... Il suppose qu'effectivement, on ne soit pas un conservateur, un réactionnaire, qui penserait qu'il n'y aurait de vérité que dans le passé, mais simplement quelqu'un qui dit, attendez, si le passé a eu lieu comme il a eu lieu, c'est que peut-être des gens ont compris des choses avant moi. Je ne vais pas inventer à moi tout seul le fil à couper le beurre. Il y a des gens qui l'ont déjà inventé avant moi. Et donc, c'est l'intérêt du passé, c'est qu'il permet de comprendre le présent, mais là, je dis une banalité, mais de comprendre le présent pour préparer l'avenir. C'est-à-dire que la fin ultime du classique, ou de la transmission, ou de l'apprentissage, ce n'est pas le passé. C'est un passé qui nous est utile pour le présent, afin de rendre possible le futur. Barbara Stiegler-Rier, qui était à votre place et qui vient de signer un ouvrage qui s'appelle « Il faut s'adapter », mettait en exergue cette grande question finalement de l'innovation aujourd'hui qui dépasse notre système quotidien de pensée. Est-ce qu'on peut transmettre et innover en même temps ? Mais oui, bien sûr. Il ne s'agit pas d'imaginer que tout le passé serait notre futur.
ou que tout le passé serait notre présent, ou qu'il n'y aurait de futur que dans la restauration du passé, ou dans la restitution du passé. Ça, ce serait être conservateur, et je ne le suis pas, et enfin, ça n'a aucun sens de l'être, de dire on s'arrête et on revient à la chandelle, à la machine... avant la machine à vapeur ou ce genre de choses, ça n'a évidemment pas de sens. Non, je pense qu'il faut être capable de penser ce qui advient, parce que je suis assez bergsonien, je pense qu'il y a vraiment un élan vital, et que cet élan vital, il est visible dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, et que des hommes des cavernes jusqu'à aujourd'hui, nous obéissons à ce que Bergson appelait le même élan vital. Je rappelle que sur des continents différents, les hommes préhistoriques dessinent la même chose. C'est quand même sidérant. L'époque, pas d'avion, pas de TGV, pas de possibilité pour ces gens-là de se concerter. Il se fait que quand vous prenez l'art préhistorique, il est homogène sur des territoires hétérogènes et dans des temps semblables. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'au même moment, des gens qui ne se connaissent pas dessinent la même chose? Quand ils dessinent un animal, ils le dessinent de la même chose, de la même manière, pardon. Et donc, c'est effectivement qu'il y a une espèce d'élan vital, et que cet élan vital, il va... Et que nous ne pouvons pas aller contre ça. Donc effectivement, je ne pense pas en termes de progrès, je pense en termes d'élan vital. Donc ça n'aurait aucun sens de nier l'élan vital en disant que le sens du futur est dans le passé, que le sens de notre présent serait aussi dans le passé. Non, pas du tout. Le passé nous sert à penser ce qui advient. Et ce qui advient est un flux, est un mouvement. Enfin, Héraclite parlait du fleuve dans lequel nous nous trouvons. De fait, nous sommes dans un fleuve. Et un bon parent, je dirais, ou un bon enseignant, ou quelqu'un qui transmet l'aspect dialectique des choses, l'aspect fluide des choses, l'aspect élan vital des choses, en disant « sache ce que fut le passé pour pouvoir bien être dans le présent afin de préparer un avenir dans lequel tu trouveras ta place ». Dans ce que vous dites, en fait, ça m'évoque les livres d'école aussi. Et comment décide-t-on de justement qui va décider de ce qu'il faut garder comme étant de l'ordre de la transmission? Évidemment, on va mettre de côté tout ce qui est le geste chirurgical, on va tous être d'accord sur le fait que c'est une bonne idée de s'en souvenir. Mais qui va décider de ce qu'on va garder comme étant de la transmission essentielle, justement, pour pouvoir progresser et innover? Écoutez, moi, j'ai eu un ami que j'aimais beaucoup, j'aime toujours, simplement, Il est présent au monde, mais il a quitté ce monde. Il a fait un AVC qui l'a rendu un peu légume, et qui était neurochirurgien, et qui a tellement opéré de gens, et qui me faisait voir ses cahiers d'opérations. Il faisait des dessins formidables, et il me disait, ben voilà, chaque compte rendu d'opération, je le rédige, et puis je fais un dessin, et puis je raconte, etc. Et ce chirurgien, il a inventé des techniques opératoires. Donc bien sûr qu'un chirurgien, il apprend une technique opératoire parce que les anciens lui ont dit, voilà, c'est comme ça qu'on fait, voilà. Mais l'intérêt dans la chirurgie, je ne vais pas dire si on veut laisser un nom dans la chirurgie, ce n'est pas ça qui est intéressant, mais si on veut avoir le geste plus efficace, plus performant, c'est de dire, mais moi, on m'a appris ça, j'ai fait ça, je pense que peut-être on pourrait faire les choses autrement. Alors, je ne vais pas parler technique, je ne suis pas compétent en termes de technique, mais une suture, une ouverture, des choses comme ça. Il y a une époque où on sciait le thorax, on ouvrait, on écartait pour opérer le cœur, des choses comme ça. Puis aujourd'hui, puis on remettait des agrafes, ça faisait souffrir, etc. Puis aujourd'hui, on opère avec des cœlioscopies, des choses comme ça. Et évidemment, la chirurgie, elle avance parce que des gens ont inventé. Et les gens qui ont inventé, évidemment, se sont fait mal voir. Quand le professeur Barnard propose une transplantation cardiaque, on dit ce type est un cinglé, quoi. Eh oui, mais les transplantations cardiaques, aujourd'hui, ça se fait. Et tant mieux. Donc je ne suis pas de ceux qui disent que la tradition est nécessaire parce que ce serait la tradition qu'il faudrait sans cesse la reproduire. Je suis de ceux qui disent que toute transmission de la tradition est nécessaire pour qu'on puisse inventer, pour qu'on puisse révolutionner. Alors, il ne faut pas révolutionner pour révolutionner, en disant, tiens, j'ai envie de faire un truc et je vais faire n'importe quoi. Non, il s'agit juste de dire, on m'a transmis des choses, mais avec ce qu'on m'a transmis, j'ajoute un peu de mon intelligence sur ce terrain-là, et je pense que ça, ce serait envisageable. Et peut-être ça, on pourrait le faire. Et je me souviens que j'avais écrit un texte sur les greffes de visage, j'ai fait un livre de bioéthique qui s'appelait Ferries anatomiques, et le professeur Lantieri m'avait envoyé un courrier en me disant, mais formidable votre chapitre, mais vous savez, je suis en train de travailler, moi, dans mon bloc, sur ce que vous racontez, vous. Donc, ce serait bien qu'on se voit, qu'on se parle, etc. Et de fait, un chirurgien aussi, bien sûr, est fait progresser. Et vous avez, de la même manière que vous avez des artistes et des artisans en tout, eh bien, vous avez des artistes et des artisans en chirurgie. Un artisan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui reproduit le sabot qu'on lui a appris à faire.
On dit, voilà, tu fais le même geste, etc. Puis bon, l'artisan, il reproduit plus ou moins bien. Et plus l'artisan est grand, plus il reproduit bien ce qu'on lui aura appris à faire. L'artiste, c'est juste le type qui va décaler et qui va faire autre chose et autrement parce qu'il va inventer. Il va ajouter de l'intelligence. Il va dire, oui, mais moi, je pense que si on faisait ça, on peut essayer, etc. Et paf, et il y a une espèce de progrès dans le sens de l'élan vital. Et il faut que l'éducation aille chercher en chacun le meilleur pour que vous puissiez avoir des progrès en boulangerie, en horticulture, en tout, quoi, en chirurgie, dans n'importe quoi. Et ça suppose l'élitisme. Je suis un élitiste, parce que je suis démocrate. Je suis un élitiste qui dit, mais il y a du meilleur en chacun. Si on n'est pas capable de dire il y a du meilleur en chacun, et on doit aller chercher le meilleur en chacun. Il n'est pas question de faire d'un formidable footballeur un chirurgien, ou de faire d'un spationaute un philosophe, ou de faire d'un horticulteur génial un ingénieur du son performant. C'est pas ça le problème, c'est de dire vous portez quelque chose en vous, et il faut toujours, moi j'ai été 20 ans prof dans un lycée technique, et j'essayais toujours d'aller chercher la potentialité de mes élèves. Il y avait un truc qui m'avait sidéré, c'est que quand on ouvre encore les tombes des pharaons, on tombait sur des offrandes votives. Il y avait des soucoupes dans lesquelles il y avait parfois du blé, du grain. Et 40 siècles plus tard, ce grain était là en l'état. Vous preniez ce grain, vous le mettez dans les conditions de la germination, c'est-à-dire que vous le mettez à la lumière, dans la terre, vous mettez de l'eau, etc. Ça va donner du blé, ça va pousser. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le germen. C'est le germen en latin, G-E-R-M-N. Pas germaine, mais bon, qui se trouve dans tout ce qui est vivant. S'il y a les conditions de possibilité, la terre, l'hygrométrie, l'arrosage, etc., ça va pousser. Et si, j'allais dire un gamin, mais j'ai adoré moi mes élèves, je peux dire un gamin maintenant, ils ont là, moi j'ai 60 ans, donc si un gamin de 20 ans est là et que personne ne lui a dit « mais va chercher tes potentialités », de quoi es-tu capable? Si ça se trouve, tu es un grand photographe, tu es un grand horticulteur, tu es un grand voyageur, tu es un grand inventeur, je ne sais quoi. Qui t'a dit que tu le pouvais? Personne. Si personne ne t'a dit que tu le pouvais, tu ne le seras jamais, ce grand personnage que tu es susceptible de devenir. Et un éducateur digne de ce nom et démocrate, c'est celui qui va chercher chez chaque enfant, jusqu'à 20 ans, je dirais, dès qu'on a charge d'âme, c'est celui qui va chercher ce qu'il y a de mieux en l'autre en lui disant « Développe-toi, tu ne vas pas passer ta vie à vivre la vie de ton voisin, ou à vivre la vie de tes parents, ou à vivre la vie que tes parents veulent pour toi. De quoi es-tu porteur? Quel est ton germen? Quelle est ta potentialité ?» Et j'ai essayé de contribuer, c'est ça, pour moi, la transmission, à un peu de terre, un peu d'humidité, un peu d'hygrométrie, pour que le germe qui était là puisse éventuellement donner ses effets. Selon vous, Michel Onfray, est-ce que la révolution industrielle est de fait le climat politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte politique de mondialisation, perturbe ce principe de transmission à partir du moment où, par exemple, le ferronnier qui s'occupe de transmettre la façon dont on va réparer un sabot de cheval n'a plus à le faire, puisque de fait ça n'existe plus, et qui du coup rejoint l'injonction à nouveau de Barbara Stiegler hier, qui dit il faut s'adapter, alors qu'il faut s'adapter à quelque chose que nous n'avons pas pu de fait transmettre, puisqu'il est en termes d'innovation, et par conséquent perturber le principe même de la notion d'effort. Oui, enfin, je ne vais pas parler pour Barbara, mais j'ai entendu sa conférence hier, j'y souscrivais. Cette idée de l'adaptation, elle suppose qu'il y aurait un mouvement de l'histoire et qu'il faudrait obéir à ce mouvement de l'histoire et que ça ne servirait à rien de transmettre un certain nombre d'informations qui ne seraient plus utiles parce qu'il n'y a plus de chevaux et à quoi ça servirait d'apprendre à affairer les chevaux. Pourquoi serait-on aujourd'hui maréchal ferrant alors qu'il y a des voitures? Moi, je ne crois pas. Elle a raison, Barbara, de dire ce qu'elle dit. Et moi, je crois qu'effectivement, la transmission de tous les savoirs est utile. À chaque fois que vous avez un nouveau dictionnaire, il y a un truc terrible, c'est qu'il rentre des mots dans le dictionnaire, mais qu'il en sort autant. C'est-à-dire qu'il y a autant de mots dans le dictionnaire d'année en année. Ça veut dire que si on fait rentrer une quarantaine de mots, on en fait sortir une quarantaine. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les mots qu'on fait rentrer. Ils sont tous d'une laideur incroyable. Ils sont 90 fois sur 100 anglo-saxons. Ça renvoie à l'informatique, ça renvoie à la mode, ça renvoie à ce genre de trucs. Mais les mots qu'on fait sortir, c'est ça qui est plus intéressant. Et les mots qu'on fait sortir sont des mots souvent poétiques, qui ont souvent des siècles d'existence et qui permettaient d'être précis sur les choses. Si vous prenez un livre, c'est un livre.
Simplement, un relieur va vous donner une quarantaine de noms dans ce livre, en vous disant que vous avez ici le filet, vous avez ici la tranche, vous avez ici le dos, vous avez ici, etc. etc. C'est la même chose avec un tonneau. Vous avez les douelles, vous avez etc. etc. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un tonneau, mais, sauf à Bordeaux, où on sait ce que c'est qu'une douelle, mais je veux dire, les douelles, les gens savent plus ce que c'est, véritablement. Qu'est-ce que c'est qu'un filet dans un livre? On ne sait pas. Allez hop, filet, ça disparaît. Douelle, ça disparaît. Mais quand on perd des mots, on perd la possibilité d'être précis sur la description des choses. Donc on perd la possibilité de penser les choses. Et quand on perd la possibilité de penser les choses, c'est très simple, c'est très facile d'obéir à ceux qui ont des visions binaires des choses. Du genre, vous avez le choix entre le fascisme et le progressisme, hein. Je ne parle de personne, mais je veux dire, c'est très facile à un moment donné de dire, ben voilà, c'est binaire maintenant, le bien, le mal, la nuit, le jour, les ténèbres, l'obscurité. Donc ne vous trompez pas. Eh oui, si on veut effectivement fabriquer des cerveaux binaires 0-1, eh bien effectivement, supprimons des mots, supprimons le vocabulaire, supprimons la transmission, allons-y avec l'idéologie, apprenons aux enfants un certain bien, un certain mal, interdisons-leur la liberté de pensée, de réflexion, etc. Interdisons l'esprit critique, et là c'est formidable. On obtient une prétendue démocratie où chacun peut faire ce qu'il veut, alors qu'en fait tout le monde obéit au discours dominant. Dans le même cadre, vous avez beaucoup écrit aussi sur les arts, vous avez écrit sur l'architecture. Il y a un volume de Lerne qui vous est consacré sur lequel il est aussi beaucoup question d'architecture. Est-ce que se pose aussi la question du contexte? Et là, on rejoint aussi ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire un climat écologique qui, malgré tout, est forcément pris en compte. On ne peut pas faire sans aujourd'hui. Et donc, en termes d'architecture, c'est-à-dire de lieux pour vivre ensemble, d'organisation pour transmettre, selon vous, Michel Onfray, aujourd'hui, a-t-on abandonné aussi une réflexion de ce sens commun de la transmission dans le lieu? Voilà, l'architecture m'intéresse depuis très longtemps. Et je pense que nous ne pensons pas ce que nous habitons, parce que si nous commençons à penser ce que nous habitons, alors on va devenir révolutionnaires, tous. Combien de gens habitent dans des lieux qui ne sont pas habitables? Vraiment. Il y a un moment donné où il faudrait penser l'habitation. Ah, pour le coup, je ne suis pas très heideggerien, mais Heidegger avait écrit un petit texte qui s'appelait « Bâtir, habiter, construire », enfin, sur la question de l'habitation. Il a écrit des choses extrêmement intéressantes. Mais quand je viens de ma campagne, que je prends un taxi pour aller prendre un avion et que je traverse la banlieue, Paris, etc., j'ai dit, il y a des gens qui habitent quasiment sur le périphérique. Comment on fait pour passer sa vie dans un immeuble dont on ne peut pas ouvrir les fenêtres parce qu'il donne sur le périphérique, c'est-à-dire des bagnoles qui vont, qui viennent en permanence. Ça veut dire que les gens qui vivent dans les villes, les gens qui vivent dans les cités, qui n'ont connu que le béton, que le bitume, etc., quel rapport au monde peuvent-ils avoir? Si on ne sait pas ce que c'est qu'un soleil qui se lève, qui se couche, un arbre qui perd ses feuilles, un arbre qui prend ses bourgeons, si on ne sait pas ce que c'est qu'une saison, si on ne sait rien de tout ça, comment peut-on avoir un rapport au cosmos? Quel point de repère peut-on avoir quand on est un fils du béton ou fille? Fils ou fille du béton, du bitume, de cage à lapin dans lesquels vous avez les gens du dessus qui tirent la chasse d'eau, vous les entendez, les gens du dessous qui se préparent et qui se réveillent le matin, vous entendez leur réveil, les gens d'à côté qui font cuire leurs trucs et vous sentez leurs odeurs, etc. etc. L'architecture n'est pas pensée, alors j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je veux dire, l'architecture n'est pas pensée pour les corps, parce que nous sommes dans une grande tradition de la haine des corps. L'architecture, elle est pensée pour l'idée. Souvent, les grands architectes sont des gens qui bâtissent pour l'idée. Le Corbusier n'habitait pas les bâtiments qu'il dessinait, hein. Ça c'est sûr. Et j'en connais quelques autres là qui font des gestes architecturaux, comme on dit, mais qui font ça pour les autres. Eux, ils habitent plutôt Passe des Vosges, dans des endroits formidables, etc. C'est-à-dire que le beau geste est bien pour autrui, mais c'est pas pour soi, parce que ça nous concerne pas. Et je trouve que les architectes ont fait des choses terribles. Tous ces gens qui ont construit des bars, tous ces gens qui construisent aujourd'hui des trucs en disant « Mais vous avez vu, regardez, vu de l'extérieur, c'est formidable, c'est joli. On a mis deux ou trois fleurs, on a mis des bacs à machin, etc. On est dans l'écologie, parce que l'écologie, c'est la grande ruse du capitalisme aujourd'hui. Tous les écolos n'imaginent pas qu'ils sont en train de faire le jeu du capital et du capitalisme, parce que c'est ce que le capitalisme a trouvé comme dernière possibilité pour continuer à être. Le capitalisme a utilisé des formes diverses et multiples. Il a utilisé le fascisme, il a utilisé le stalinisme, il a utilisé le maoïsme. Maintenant, il est en train d'utiliser l'écologie. Donc il faut bouffer bio. Formidable. Le capital adore le bio. Le capital adore les voitures hybrides qui sont fabriqués avec des moteurs électriques qui permettent de faire fonctionner du tonnerre tout ce qui est nucléaire et qui permet de faire fonctionner toute la destruction de la planète à la recherche des métaux lourds qui sont ultra polluants, etc. Il n'y a pas plus polluant qu'une voiture électrique.
Mais c'est formidable. L'écologie permet de faire de l'argent aujourd'hui. On culpabilise les gens qui roulent en diesel. Alors que d'une certaine manière, le diesel est moins polluant qu'une voiture hybride parce qu'effectivement, l'électricité est nucléaire et que les composants du moteur électrique ont permis le pillage de la planète avec les matériaux rares, etc. Enfin bon, le capitalisme peut avancer sans difficulté puisqu'à l'école, on apprend aux enfants qu'il vaut mieux des moteurs électriques plutôt que des moteurs à explosion. Donc effectivement, il y a un moment donné où le savoir n'est pas utile sur certains domaines. N'allez pas chercher à savoir comment fonctionne un moteur électrique. N'allez pas chercher à savoir comment fonctionne votre téléphone portable. N'allez pas chercher à savoir comment fonctionne votre ordinateur, votre tablette. Parce que si vous commencez à aller chercher, vous allez voir pourquoi on s'en va faire des guerres au Mali sous prétexte de terrorisme. On s'en va faire des guerres au Mali parce que les composants de nos téléphones et de nos ordinateurs et de nos voitures électriques se trouvent dans le sous-sol malien. On s'en fout du terrorisme au Mali. On n'a rien à faire. On est là-bas pour pouvoir piller leur sous-sol pendant que les Chinois sont en train, eux aussi, de piller le sous-sol africain pour les mêmes raisons. Et on est en train de faire une course qui fait qu'actuellement, les composants électriques qui sont susceptibles de permettre de plus ou moins grande conductibilité font que si vous avez aujourd'hui des bombes atomiques, c'est formidable d'avoir une bombe atomique, sauf que vous savez aujourd'hui que vos composants électroniques vous permettent avec 3 nanosecondes de plus que le voisin de lui mettre la bombe sur la figure avant qu'il puisse ne faire une réponse aujourd'hui. Donc on sait très bien que la conductibilité des matériaux rares est quelque chose d'extraordinaire pour le capital. Trump, méchant, c'est un ordure, c'est une ordure, c'est Adolf Hitler, etc. Trump, il a compris ça. Trump, il a compris que les Américains étaient dépendants pour leur industrie nucléaire, leur industrie d'armement, ils étaient dépendants des Chinois. Ça veut dire que l'armée américaine, toute puissante qu'elle est, n'a pas les moyens de sa puissance, puisque ce sont les Chinois qui fournissent les matériaux conducteurs, et que s'ils refusent de fournir les matériaux conducteurs, les bombes atomiques des États-Unis, ça sert à rien du tout. Donc ça veut dire que si vraiment on fait augmenter le savoir sur ce terrain, par exemple, de l'écologie comme d'un grand rouage capitaliste, sur l'architecture comme un lieu d'incarcération des corps, comme un lieu dans lequel on ne permet pas la jubilation des corps. C'est de la cage à lapins dans lequel on met des gens dans des boîtes. Et il se fait que moi, j'ai hélas assisté à des enterrements de gens que j'aimais. Mais je veux dire, jadis, on était mis dans un cercueil en bois. Ce cercueil en bois était posé dans la terre. Et on remettait de la terre par-dessus, on pourrissait et on retrouvait la nature. Formidable. Moi, j'adorerais être enterré, nu, dans un linceul, à même la terre. Aujourd'hui, comment ça se passe? On vous met dans un cercueil et on vous met dans une espèce de... On vous zippe dans un truc en plastique. On vous met du plastique. Après ça, on enlève de l'air, paf, et on met ce truc dans un tombeau qui lui-même est fabriqué en ciment. C'est terrible, cette façon de pourrir dans du plastique et dans du ciment. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas mourir tranquille, on ne peut même pas se décomposer tranquille. C'est-à-dire que j'y vois là une métaphore de l'architecture contemporaine. Crever, mais dans du plastique, dans du ciment. Et, ah oui, non, mais il y a des endroits où vous dites, mais comment les gens peuvent habiter dans des lieux pareils? Mais ils sont dans du plastique et dans du ciment. Et ils vont passer l'éternité dans du plastique et dans du ciment. Donc il y a un moment donné où... Les architectes, il faudrait les prendre là où ils sont en leur disant mais vous êtes coupables de faire des beaux gestes architecturaux qui sont invivables et impossibles à habiter. Vous êtes coupables de fabriquer des bars comme ça en disant vous avez vu, c'est très beau vu de l'extérieur. C'est très platonicien. Et quand Le Corbusier travaille, il travaille sur le nombre d'or, sur des choses comme ça. Donc c'est formidable, nombre d'or, symbolique, etc. Mais toi, Le Corbusier, tu vivrais dans des trucs comme ça? On commence à dire que Le Corbusier était pétiniste, qu'il a voulu travailler avec Vichy, qu'il a présenté ses services à Staline et qu'il était fasciné par les pouvoirs totalitaires, qu'il voulait raser Paris et qu'il voulait reconstruire une ville totalement moderne. On commence à le dire doucement. Mais je veux dire, chez les architectes, on ne touche pas Le Corbusier. C'est une espèce d'idole, d'icône absolue. Je dis simplement que les architectes font souvent des bâtiments qui sont faits pour être vus, mais pas pour être vécus. Et je dis que c'est la même chose pour l'homme du commun, je dirais, qui habite dans des endroits qui sont toxiques. Il faudrait retrouver le sens d'architecture vitaliste. Et il y a des architectures vitalistes et pas des architectures géométriques, mathématiques ou chiffrées. Il faut en finir avec le règne du regard, de la primauté du regard, de la vision, du platonisme, juste pour dire, mais faisons des habitations pour vivre. Et non pas seulement pour l'œil. Ce sont des architectures qui sont faites pour les yeux, qui sont faites pour les platoniciens. Et de fait, à chaque fois qu'on construit une cabane ou une hutte, c'est pour moi un sommet, pour moi, la cabane et la hutte, parce qu'on est dans l'élémentaire.
et à tous les sens du terme. Et l'élémentaire, ça suppose effectivement qu'on puisse être dans un endroit où on aura trouvé, et c'est d'ailleurs ce que faisait Le Corbusier quand j'y songe, c'est-à-dire qu'il y a une petite cahute dans le fond du jardin de Le Corbusier qui est totalement primitive et où la chaise sert à s'asseoir. La table sert à poser des trucs, le lit sert à dormir, la fenêtre sert à faire entrer la lumière, la porte permet d'entrer et de sortir, etc. On se dit, mais on est dans le sommaire absolu. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça pour tout le monde? Et pourquoi se réserve-t-il ça, lui, au fond de son jardin, alors que pour les autres, il met des cages à lapins les unes sur les autres, en sachant très bien que si on met ce genre de barre à côté d'une autre genre, à côté d'une autre barre, puis après à côté d'une autre barre, etc., on transforme les individus en lapins qu'on met dans des clapiers. Donc il faut aujourd'hui que les jeunes soient, pour revenir à la question de la transmission, s'ils font de l'architecture, qu'ils sachent ce qu'est l'architecture. Qu'est-ce que la maison primitive d'Adam ? On démarre avec ça. Qu'est-ce que la maison primitive d'Adam jusqu'à aujourd'hui ? Comment habiter et comment penser ce qu'on habite ? Pour faire de telle sorte que, bien sûr, on fasse une histoire de l'architecture, mais pas seulement pour faire une histoire de l'architecture, mais pour dire, mais vous avez vu dans quoi vous habitez ? Juste pour qu'on ait un regard critique sur le lieu qu'on habite, et après de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas parmi vous 2 ou 3 jeunes qui seraient capables de dire, allez, prenons ça en main maintenant, quel type d'habitation peut-on produire? Et pour le coup, je ne suis pas anti-écologiste, hein, entendons-nous bien, mais on pourrait, justement, en rapport avec le cosmos, en rapport avec la nature, puis en rapport avec l'économie, de tout ce qu'il y a à économiser, moi je pense que les décroissances ont raison, mais on peut fabriquer d'autres maisons, fabriquer d'autres façons d'habiter. Parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, pas que les villes. Et un architecte devrait savoir qu'il y a aussi la campagne, qu'il y a aussi la nature, et que la nature, c'est pas seulement 3 pots de fleurs qu'on met devant sa maison juste pour dire, vous avez vu, on a mis un peu de nature. Et ça, c'est aussi un grand chantier que les philosophes ont oublié. L'architecture est assez peu pensée par les philosophes. Quelle est, selon vous, du coup, la limite entre le progrès et la propagande ? Alors, le progrès, moi, je trouve toujours étonnant que ce soit devenu une valeur positive en soi. Moi, j'ai connu des gens que j'aimais qui sont morts d'un cancer, et parfois on m'annonçait le progrès du cancer. Donc c'est pas forcément bien le progrès. Ah oui, non, mais là on part du principe que progrès, formidable, et si c'est pas progrès, c'est regret, et que regret, c'est pas bien. Ben non, quand vous avez un regret, c'est-à-dire le contraire du progrès, le contraire du progrès, et qu'on vous dit, ben voilà, vous avez fait vos analyses, et puis finalement, ben les chiffres sont bons, ça régresse. C'est un progrès, le regret, dans ces cas-là. Si on vous dit, en revanche, ben non, vous avez les CA15 trop, les trucs comme ça, enfin, ces trucs terribles qui font qu'on vous dit, bon, alors, c'est quoi mon chiffre, là ? Plus de cancer, moins de cancer. Et donc, vous avez un progrès du cancer ou un regret du cancer. Donc, il y a un moment donné où il faut faire l'histoire du progrès. Et l'histoire du progrès, c'est une histoire facile à faire. Elle est chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle dans le christianisme la parousie. Jésus vient, on rentre pas sur l'histoire de Jésus, exister, pas exister, etc. Enfin bon, admettons, il arrive. Et il annonce, effectivement, il meurt, crucifié, ressuscité le 3e jour, il s'en va, mais il dit « je reviendrai ». Et « je reviendrai », et là, ce sera la résolution totale de l'humanité, et c'est ce qu'on appelle la parousie. Donc, j'arriverai un jour, et vous verrez, ce sera fini, etc. C'est ça l'invention de l'idée de progrès. C'est-à-dire que demain, ce sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc pendant très longtemps, toutes les civilisations, tous les peuples, etc., ont une conception du monde qui était très simple, elle était cyclique. C'est très simple, tout à l'heure le soleil va se coucher, la nuit va arriver, demain matin le soleil va revenir, etc. Donc le cycle de la journée s'inscrit dans un cycle de l'année, printemps, été, automne, hiver, etc. Évidemment, à l'époque, on ne sait pas que la Terre tourne sur elle-même, c'est ce qui fait les jours et les nuits, et qu'en tournant sur elle-même, autour du soleil, dans une forme elliptique, elle produit effectivement les saisons. Mais il se fait que, quand on est dans cette compréhension-là, de l'alternance du jour, de la nuit, des saisons, etc., on a une conception cyclique du temps. Pendant très longtemps, c'est ça. Le temps, c'est ce qui revient éternellement. Les chrétiens disent « Ah, mais pas du tout, le temps, c'est une flèche. » Et pour nous, ça paraît évident. Mais en fait, aller en Inde, c'est pas évident du tout. Aller en Afrique, c'est pas évident du tout. Aller en Asie, c'est pas évident du tout. Cette idée que nous serions sur une flèche avec derrière le passé, ici le présent, là où nous sommes, plus tard le futur, et que cette flèche, elle va tout droit devant nous, est une idée récente. C'est une idée chrétienne, c'est l'idée de la parousie. L'idée que cette flèche, elle avance dans un sens particulier, mais qu'en même temps, elle pourrait grimper. Prenez une abscisse, vous prenez une ordonnée, et en fait, une flèche qui monte et qui nous dit là, on est dans un instant qui fait que le passé est derrière nous, le futur est devant nous, mais le passé était moins bien et le futur sera mieux, c'est une idée plus récente encore. C'est le 18e siècle et c'est Condorcet. C'est l'esquisse d'une histoire universelle du progrès humain. Et Condorcet nous dit ça,
C'est une idée, j'aime beaucoup Condorcet, mais là-dessus, il me semble qu'il se trompe, en pensant que, de fait, nous allons vers un progrès perpétuel et que, quoi qu'il arrive, ça va vers le mieux. Et que tout ce qui était derrière nous, c'était de toute façon le pire. Ben non, si à un moment donné, où Adolf Hitler nous fait la démonstration qu'on ne va pas forcément vers le mieux, ni Mao Tse-tung, ni Lénine et Staline, etc. Il y a un moment donné, on se dit, ben, peut-être que l'idée d'une flèche de l'histoire et d'une flèche ascendante, ce n'est pas forcément une bonne idée. C'est peut-être une idée chrétienne, c'est peut-être la parousie, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie, mais ce n'est peut-être pas forcément la vérité. Ce que je crois, ce n'est pas une vérité. Donc je crois que le progrès n'est pas forcément quelque chose qu'il faudrait défendre. Je ne crois pas. Il y a un moment donné où il faut juste se dire, est-ce que ça c'est défendable, est-ce que ça ne l'est pas, indépendamment des logiques de progrès. Après ça, moi j'ai écrit dans Dégadence que j'avais une lecture vitaliste des civilisations, et je pense qu'il y a un moment donné, de toute façon, tout ce qui vit obéit au même schéma. C'est-à-dire ces arbres, nous, les civilisations, etc., il y a une naissance, il y a une croissance, il y a une décroissance, il y a une disparition. Et zou, on laisse sa place. Les hommes obéissent à ce schéma-là, les civilisations aussi. Assur, Sumer, Babylone, les Égyptiens, la Grèce, la Rome, l'Europe. Et puis c'est fini. C'est fini l'Europe, c'est terminé. C'est-à-dire, faut arrêter de croire qu'on va sauver l'Europe ou je ne sais quoi. On essaie de fabriquer l'Europe parce qu'elle est morte. Et elle a existé l'Europe, mais elle n'existe plus. Alors une civilisation va laisser sa place. Mais c'est ainsi. C'est comme un grand-père qui meurt à 95 ans. Ben c'est un peu normal, quoi. Il laisse sa place à son fils. Et puis il y a le petit-fils derrière, une petite fille. Et puis c'est ainsi que ça va se passer. Donc pour moi, il n'y a pas un progrès vers le meilleur. Il y a juste ce dont je parlais tout à l'heure. C'est une espèce d'une puissance de l'élan vital qui fait que ce qui fut vivant, enfin ce qui n'était rien devient vivant. Ce qui est vivant croît, décroît, disparaît, laisse la place à du vivant nouveau et repart, etc. Barbara a parlé hier de Darwin, je suis assez darwinien en ce sens. Il y a une espèce de... Et Barbara a parlé du buissonnement de ce qui est vivant. Oui, c'est ainsi, c'est le modèle du monde. Il y a une vitalité, elle est extrêmement débordante et il n'y a pas vraiment de progrès dans ce buisson. Merci Michel Onfray. Merci à vous. Avez-vous des questions ? J'aurai des réponses. Que pensez-vous de la fragmentation des savoirs dans les commissions de spécialistes à l'université ? Et assiste-t-on à la disparition de l'honnête homme du XVIIIe siècle qui était compétent en sciences et en humanité ? Alors écoutez, il y a deux questions. La première, je ne peux pas répondre parce que l'université, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je n'en suis pas. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour me nuire. Et elle fait bien, elle a bien raison, parce que chacun faisant ce qu'il a à faire. Donc voilà, l'université populaire de Caen a été interdite par le comité de je ne sais même pas comment on appelle ça, enfin le conseil d'administration de l'université de Caen, qui a estimé que je n'avais pas de contenu suffisamment scientifique pour qu'on me donne l'autorisation de donner 3000 euros pour faire un cours à chaque fois et de faire 14 cours dans l'année. Donc bon. Effectivement, l'université est l'université, c'est-à-dire qu'aucun génie n'est jamais sorti de l'université. C'est assez clair. Descartes n'était pas professeur d'université. Il était militaire, soldat. Spinoza polissait des verres de lunettes. Il n'était pas professeur à l'université. Voltaire n'était pas professeur à l'université. Rousseau non plus. Nietzsche était professeur de philologie, mais pas professeur d'université. Enfin, regardez les grands progrès dans la philosophie, s'il faut parler de progrès, n'ont jamais été fabriqués dans les universités. Bon, c'est normal. C'est ainsi, chacun chez soi. Et les cochons seront bien gardés. Sur la question des savoirs, oui, on pouvait imaginer que quand les savoirs étaient moindres, un homme tout seul pouvait posséder la totalité des savoirs. Et de fait, quand vous prenez ce qu'on appelle les présocratiques savent tout ce qu'on peut savoir en son temps sur le terrain de la physique, de la géographie, de l'astrologie, des mathématiques, des sciences, des beaux-arts. On peut tout savoir. Évidemment, plus on progresse dans la connaissance, plus cette somme est impossible à maîtriser par un individu tout seul. On sait très bien aujourd'hui, par exemple, que quelqu'un qui travaillerait sur la biologie pourrait très bien apprendre des choses sur la biologie par quelqu'un qui, dans la biologie, travaille sur un autre domaine que lui-même. Vous avez des gens qui sont sur la question de, je sais pas quoi, un spécialiste du noyau, un peu spécialiste du cytoplasme, c'est un spécialiste de la membrane. Je mobilise des savoirs très anciens et qui relèvent du collège seulement. Mais je veux dire que, vous voyez bien que aujourd'hui, ça n'est plus possible de tout savoir dans tous les domaines, dans son propre domaine.
C'est-à-dire que dans le domaine, vous êtes un spécialiste de quelque chose. Si vous faites de l'astrophysique, si vous êtes un spécialiste des trous noirs, je ne suis pas sûr que vous soyez un spécialiste des trous de verre ou ce genre de truc. Hein. Donc, il est bien évident que si dans votre domaine, vous ne pouvez pas déjà tout savoir, vous imaginez bien que ce que vous appelez un honnête homme aujourd'hui, philosophe par exemple, ne pourra pas maîtriser la totalité de ses savoirs. Alors, comme on ne peut pas tout savoir et qu'on peut être un spécialiste, Michel Serres vient de décéder, il avait utilisé une image, je crois que c'était dans le tiers instruit, qui était une belle image, il opposait le renard et le sanglier. Il disait, le sanglier, il travaille très en profondeur, il fouille, et il est très spécialiste dans un domaine, mais évidemment, ce qui se passe tout autour, il ne sait pas. Le renard, il furette, il vient un peu partout, mais évidemment, c'est au détriment de la profondeur. Alors, soit vous êtes dans la profondeur, c'est au détriment de la surface, soit vous êtes dans la surface, c'est au détriment de la profondeur. Et vous êtes bien obligé de composer avec ça. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir. Et on peut toujours, effectivement, reprocher au renard de ne pas fouiller comme un sanglier, ou au sanglier de ne pas fureter comme un renard, et il va falloir composer avec. Maintenant, on peut trouver un bon compromis entre la surface et la profondeur. Vous n'allez pas forcément être dans les grandes profondeurs ou forcément être dans les grandes surfaces, mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui philosopher, sauf à être un philosophe spécialisé dans une question, et vous êtes spécialiste de la philosophie esthétique, et sur la question de la philosophie esthétique, spécialiste de l'école de Francfort, et dans l'école de Francfort, vous êtes spécialiste de la théorie esthétique d'Adorno. Et bon, il y a des gens à l'université dont c'est le truc. Ils passent une vie à lire un livre de 300 pages. Bon, bien, très bien. Mais il y a aussi d'autres gens qui peuvent avoir des vues plus larges. C'est probablement au détriment de la profondeur, mais c'est aussi ce avec quoi il faut compter. Moi, je n'ai rien contre les universitaires, hein, contrairement à eux, à mon endroit. Mais on peut choisir effectivement de plus grandes surfaces. Moi, j'ai toujours la nostalgie de l'encyclopédie. Mais bien sûr qu'il y a des moments où on sera imprécis, où on va pouvoir dire page 312, il dit un truc là, il s'est trompé, c'est pas 1512, c'est 1513, il n'est pas sérieux ce type-là. Oui, c'est vrai, c'est possible. Quand on embrasse large comme ça, on peut mal étreindre. Mais je persiste à préférer les encyclopédistes aux spécialistes. Mais il y a des gens dont la spécialité est la généralité. Et j'aime, moi, en médecine, les gens qui sont spécialistes en médecine générale. Parce que je trouve que ces gens-là, au contrairement à des gens qui sont un spécialiste de la troisième vertèbre et qui vont passer leur vie sur la troisième vertèbre, le médecin généraliste, il est spécialiste du truc qui fait que tout tient. C'est ce qu'on appelle le système neurovégétatif, qui est essentiel pour moi. C'est le système neurovégétatif qui est essentiel pour dire le corps. Et vous avez un spécialiste de tout en médecine. De la bouche, du nez, du trou de balle, des oreilles, de machin. Il y a des spécialistes en tout. Et le système neurovégétatif, il n'a pas son spécialiste. Étonnant. Mais comme toujours, c'est faussement étonnant. C'est-à-dire que là où est la vérité, ne se trouvent pas les gens qui s'en occupent. Et donc le système neurovégétatif, il est pour moi le noyau dur. Je parlais tout à l'heure de l'élan vital chez Bergson, et je pense que si on est philosophe, ce qui doit être intéressant, c'est d'aller traquer les modalités de l'élan vital. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc moi, je persiste à croire qu'il faut des encyclopédistes avec le risque qui est celui de l'encyclopédiste, c'est-à-dire parfois d'être imprécis, parfois effectivement d'embrasser large, parfois de se faire reprocher un détail ici ou là, oui, d'accord, mais en même temps, il y a une vue générale sur ce qu'est l'élan vital. Une autre question? Non? Vous osez pas, hein? Vous avez peur? Bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les potentialités qu'une assistante maternelle pourrait développer chez les jeunes enfants qu'elle accueille, 3 mois, 3 ans? Pourquoi riez-vous? J'ai une réponse. Alors, il se fait que moi, je n'ai pas fait d'enfant, mais que j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon épouse, qui avait 2 enfants que j'ai adoptés, et il se fait que la grande fille de ma compagne, qui est de ma femme maintenant, qui est devenue ma fille, puisque je l'ai adoptée, vient d'avoir un petit garçon, et que ce petit garçon, qui est la chose la plus précieuse au monde pour moi, il est aussi un objet d'étude. C'est-à-dire que, bah oui, on se refait pas. C'est pour ça que je riais. Bah oui, et donc... Plein de choses pour moi se sont trouvées modifiées. Si vous pensez bien que le jour où on me dit, où elle s'appelle Victoire, ma grande chérie, là, et Victoire, elle me dit, voilà, bon, elle commence à dire des trucs, je ne comprends pas très bien, mais je me dis, mais elle est en train de m'annoncer qu'elle est enceinte, quoi. Et d'un seul coup, dès qu'on annonce qu'on porte un enfant, cet enfant existe déjà. Dès qu'on décide que cet enfant a ce nom-là, il existe autrement. Différemment, mais ça continue. Dès que
il avance, etc., etc. Il se dit, ben, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, etc., cinq mois, huit mois, neuf mois, puis neuf mois, alors attention, c'est quand il existe. Puis après, il arrive au monde, puis après, etc., etc. Donc je vois bien, alors je vais pas dire que je suis un malin et que je comprends des choses que personne n'aurait jamais pu comprendre, mais on voit bien des choses se passer sous nos yeux dont on se dit qu'elles n'ont pas été pensées. Alors, Boris Cyrulnik a écrit des choses très intéressantes dans ses premiers livres, plutôt sous le signe du lien ou des choses comme ça, mais sur la vie intra-utérine. Moi, je suis pas freudien, comme vous le savez peut-être, mais je veux dire que quand effectivement il nous dit que les femmes qui, à Marseille, mangent de l'aioli, et bien, elles fabriquent des enfants qui, des années plus tard, sont plus à même de goûter de l'aioli parce que bah, c'est ainsi, il y a une espèce d'imprégnation physique et physiologique. Il nous dit des choses évidemment essentielles. Vous imaginez bien, là, c'est plus, je ne cite plus Boris Cyrulnik, mais que si une femme se trouve enceinte un peu par hasard, déteste son mari, dès que le mari arrive et qu'elle entend les bruits du mari, il y a une espèce de stress, et que cet enfant, quand il connaît le stress, il l'associe à des vibrations qui sont la voix du mari qui arrive par le ventre, et que des années après, il y a des instruments de musique que vous n'allez pas aimer, des instruments de musique que vous allez aimer. C'est la même chose si vous aimez votre père, si effectivement la femme qui attend son mari aime le père, et que la voix du père est assimilée à quelque chose d'extrêmement positif, mais vous allez fabriquer un enfant qui va aimer des vibrations, et qui va détester des vibrations, et qui, comme par hasard, aimera le violoncelle ou détestera le violoncelle. Donc vous voyez bien que vous construisez, je parlais tout à l'heure de dressage neuronal, mais il est bien évident que le dressage neuronal, il est déjà intra-utérin. Et puis vous arrivez au monde. Et l'étymologie de enfant, c'est infance, c'est qui ne parle pas. Et cette espèce de débilité des structuralismes des années 60-70, qui consiste à dire que nous avons des structures du langage et qu'en gros, on n'a pas besoin d'être éduqué, sollicité, un jour on va se mettre à parler parce que de toute façon, on porte ces structures-là. C'est faux. Et bien évident que si vous ne parlez pas à un enfant, il ne parlera jamais. Si vous ne le regardez pas, il ne sera pas construit. Vous le construisez avec votre regard. Vous le construisez avec votre façon de le toucher, de le solliciter, de lui parler, de le regarder, etc. Donc évidemment, pendant cette période de silence, il y a une période de vitalité extrêmement intense. C'est toujours un élan vital qui a lieu. Et c'est ça qui me fascine dans Augustin. C'est-à-dire qu'il y a un langage qui est possible aujourd'hui. On peut apprendre à un enfant à échanger avec des signes parce que les mots ne sont pas là et que le langage n'est pas encore là. Et ces signes, et je le constate tout de suite, il a 10 mois, ces signes sont susceptibles de nous montrer des choses considérables. C'est-à-dire qu'il est capable de dire tu veux aller dormir ? Oui, je veux aller dormir. Quand vous posez une question et qu'il fait oui comme ça avec la tête, vous avez compris que dans une phrase comme celle-ci, tu veux aller dormir, ça veut dire quoi ? Là où tu es, tu peux te projeter dans le temps. Parce que aller dormir, ça veut dire que tu as une conscience du temps à venir. À venir, qui est l'avenir. Ça veut dire que tu as conscience du désir qui peut être le tien de ce que de dormir, c'est-à-dire de ce que peut vouloir dire dormir. Donc se reposer, etc. etc. Tu as fait caca, tu réponds, oui. Bien, on vérifie, paf, oui. Je dis, mais alors, ça veut dire quoi ? C'est quand même sidérant. C'est-à-dire qu'il y a une interaction qui est possible ou qui est pensable, justement, parce que l'interaction, elle est rendue possible, parce que ses parents sont, je ne vais pas dire formidables, tout le monde dit ça toujours, mais parce que ses parents sollicitent cet enfant. Il y a des grands-parents formidables aussi, mais je veux dire que cette façon de dire, on est à l'écoute, on fabrique une conscience et on est attentif à tout. Et on sait très bien que c'est comme un cristal extrêmement précieux. Tac, un truc, fêlure, et voilà quoi. Donc il faut faire très attention, c'est pas rien de faire des enfants. C'est pourquoi je n'ai pas fait. Mais je veux dire que l'assistante maternelle, elle fait un travail infaisable. Infaisable. D'abord, c'est infaisable quand on a un enfant. Mais alors là, je ne sais pas combien vous en avez, mais plusieurs, quatre. Ben, vous vous rendez compte, quatre. Et avec des âges différents. C'est-à-dire que vous dites, mais un enfant, vous comprenez bien que c'est même pas, c'est presque au jour près. Et c'est pas la même chose. Moi, j'ai vu des enfants, maintenant, je commence à m'intéresser aux âges. Et parfois, je dis, ah oui, il en est là, à cet âge-là. Oh là, il en est là, ah oui. Donc, on voit qu'il y a une différence fondamentale. Et avec la pédiatre, qui est une débile totale et qui a des chiffres, elle dit, il pèse combien ? Il est trop gros, il est trop maigre. Complément alimentaire, etc. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait au revoir, il fait pas au revoir. C'est grave, il fait pas au revoir. Ben non, mais quand on lui dit, t'as fait caca, il fait oui, etc. C'est pas dans vos cases, ça. Alors c'est un problème, on fait quoi ? Donc, moi je suis en philosophie nominaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a que des subjectivités. Un enfant, ça n'existe pas. C'est pas un enfant à 9 mois, il doit faire ceci, il doit faire cela. Non. Un enfant à 9 mois, il est une subjectivité qui fait ceci ou qui fait cela.
Voilà. Et puis voilà, simplement, il faut aider au développement de cet élan vital. Et un élan vital, ça ne pousse pas comme ça régulièrement. On voit bien que ça pousse avec à-coup, que ça avance, que c'était bien des moments où ça avance très vite, puis ça stagne, puis ça continue à avancer, etc. Et que ce n'est pas la même chose avec le voisin. Donc on voit bien que vous, c'est une profession. Donc cet enfant, vous l'avez dans des horaires qui sont des horaires professionnels. Et il a des parents qui font, eux, de leur côté, des choses. Donc évidemment, c'est terrible parce que un enseignant, un pédagogue bien informé, un bon pédagogue, etc., il a affaire à des parents qui ne sont pas forcément très informés, pas forcément très au point, qui parfois arrivent avec leur névrose. J'enlève parfois, arrivent toujours avec leur névrose. Et bien évident que aimer, pas aimer, mal aimer, trop aimer, aimer à côté, etc., c'est le cas de tout le monde. Et donc on aime trop et on dit mais... Il ne peut pas se plaindre, j'ai quand même tellement aimé. On se dit, bah oui, justement, c'est trop. Elle dit, oui, mais enfin, je ne l'ai pas assez aimé. Ah oui, bon, alors comment vous l'aimez? Ah oui, j'ai fait ceci. Ben non, il ne fallait pas faire ça. On voit bien qu'effectivement, ce n'est pas une science exacte et que c'est une espèce de doigté, de sensibilité. Il faut utiliser les termes de Jean Kilevitch, je ne sais quoi, presque rien, qui suppose que dans l'éducation, on a affaire à une espèce de cristal extrêmement précieux avec les enfants et qu'il faut être à l'écoute de tout. C'est-à-dire que si une question vous est posée et que vous n'y répondez pas parce que vous êtes plus intéressé par votre téléphone, mais et puis que voilà, pour vous, c'est pas grave, si vous êtes juste en train de répondre au téléphone et vous dites bon, ça va, etc., vous êtes en train de casser un cristal, peut-être. Donc vous pensez bien que c'est un matériau extrêmement précieux et que quand on est parent, c'est problématique, quand on est éducateur, c'est problématique, et puis après, quand on est éducateur, la plupart du temps, on n'est pas forcément dans les bons endroits, avec forcément les bons élèves, on n'est pas forcément bien payé, on n'est pas forcément... Enfin, il y a tout ce qui fait que on a aussi ses propres problèmes et qu'on n'est pas forcément averti de ce que sont tous les problèmes de cognition, tous les problèmes de psychologie, tous les problèmes qui sont afférents aux enfants. Donc vous faites un métier terrible. Et pour le coup, je n'aurais pas d'autres conseils à vous donner que l'extrême attention. C'est un peu comme quand vous écoutez de la musique et que vous aimez le piano et que vous avez un concert. Alors, bien évidemment, vous connaissez la pièce, que c'est du Chopin, que c'est du Schumann, que c'est du Bach, je ne sais quoi. Et puis, vous avez quelqu'un qui va jouer ça d'une manière particulière. Et ce qu'il y a de plus subtil dans la musique, c'est la façon qu'aura, je ne sais pas quoi, Clara Askill, Walter Gieseking, ou je ne sais pas qui, enfin, qui vous voudrez, mais de jouer. Parce que vous aurez un toucher particulier. Et parfois, vous écoutez quelque chose, vous êtes en voiture, vous avez laissé votre voiture sur France Musique, vous redémarrez votre voiture, tac, vous avez une musique, vous écoutez, vous dites « Ah, ça, c'est machin. Je suis sûr que c'est Émile Guilels qui est en train de jouer, là, etc. » Vous savez bien que c'est une pièce de Brahms, mais en même temps, vous dites « C'est joué comment, ça ?» Eh bien, je pense que les enfants, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les parents jouent plus ou moins bien. Et vous avez des parents qui tapent comme des sourds. Et des enseignants aussi. On va prendre une dernière question, madame. Oui, vous avez parlé à juste titre de l'interaction entre celui qui transmet et celui qui reçoit. Et c'est évidemment dans la grande tradition. La question que je me pose, c'est dans cette société de révolution numérique, on se retrouve confronté, quand on fait de la formation, quand on essaie de transmettre, à des gens qui sont sur leur téléphone portable ou qui sont arrivés et qui, avec Wikipédia, Internet, ils savent déjà tout. Or, donc, du coup, est-ce que vous pensez que la transmission peut évoluer? En quoi Internet la change? Et quels sont les référents, mais ce qui va rester fixe, se conserver malgré une forme qui est différente? Oui, alors je peux d'autant plus facilement vous répondre à cette question que je viens d'avoir 60 ans, que je fais partie de cette génération qui a connu une éducation sans télévision. À une époque, mes parents, il n'y avait pas la télévision chez mes parents, puis une éducation avec la télévision, puis une période sans téléphone portable, puis une période avec téléphone portable, puis une période sans l'informatique et une période avec informatique. Donc je vois bien effectivement que penser la question de la transmission avec les catégories d'une époque où il n'y avait pas la télévision, pas le téléphone portable et pas l'informatique, ce n'est pas exactement la même chose. Le problème aujourd'hui, on me dit, mais c'est formidable, Internet, on trouve tout. C'est un peu ce que disait Michel Serge. Oui, mais encore faut-il savoir quoi trouver, quand, où et comment. Si vous avez dans une ville un magasin extraordinaire dans lequel se font les bons produits et que vous ne savez pas comment que ce magasin existe et comment vous y rendre, c'est pas compliqué. Que ce magasin existe ou n'existe pas, c'est exactement la même chose. Donc quand on a été, comme moi, éduqué au livre,
à l'encyclopédie. Une encyclopédie universaliste qui nous permet de dire il y a du papier, c'était travaillé par des gens qui ont, si un article est là, il ne dit pas forcément totalement la vérité, mais bon, il y avait un conseil scientifique, un conseil de rédaction. Si le texte a été fait, c'est que bon, quand même, il y a un sérieux, sinon l'encyclopédie universaliste, ça n'aurait pas existé. Là, vous tombez sur un site. Eh bien, c'est qui le type qui s'occupe du site? Il est compétent, il n'est pas compétent, comment allez-vous savoir? Vous dites, mais j'ai vu sur un site. Oui, mais et alors? Vous avez vu sur un site, ça veut dire quoi? Donc vous avez des gens qui sont sérieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait, ils prennent tout le boulot des gens, mais ils font quand même un site. Ils sont contents, ils ont fait leur site. Bon, ben, vous dites, c'est bien, parce que de toute façon, ils sont appuyés sur un travail scientifique qui a été fait, ou sérieux, qui a été fait par des gens. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on évacue le livre, quand on évacue la transmission, quand on évacue celui qui savait ce qu'il avait été, comme on disait à l'époque, certifié ou agrégé. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Les moules aussi sont agrégés sur leur rocher. Mais je veux dire qu'on peut certifier quelqu'un ou dire qu'il est agrégé au corps des enseignants ou qu'il est docteur en ceci ou en cela. On peut faire la critique de tout ça, sauf qu'effectivement, ces gens-là avaient passé des concours, une formation, ils étaient crédibles sur ce qu'ils enseignaient. Aujourd'hui, la crédibilité, elle n'est plus visible. Et donc, le gros problème, c'est que oui, bien sûr, tout est susceptible d'être trouvé sur Internet. Mais le tri n'est pas susceptible d'être fait par tout le monde. C'est pourquoi je m'opposais un peu à l'optimisme de Michel Serres, parce que lui, il était d'une époque où on pouvait faire le tri en disant ça c'est bien, ça c'est nul, ça c'est intéressant. Mais quand on n'a pas la formation qui permettra effectivement de faire le tri, comment on fait? Et ben, en ce sens, je suis plutôt pessimiste, parce que je pense que ce qui va hélas rester, c'est ce qui aura été sélectionné par les GAFA, c'est-à-dire ce qui aura été le plus vu. Et vous voyez bien comment on peut aujourd'hui, même avec des usines à clics, hein, vous avez des gens dont le boulot consiste à cliquer, clac, 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 clac. Donc vous faites revenir des trucs. Il y a un certain nombre de philosophes qui sont souvent connus par leurs initiales, je ne voudrais pas les trahir, mais qui sont capables, quand il y a eu un problème parce qu'ils ont fait l'éloge d'un botule qui n'existait pas, de faire de telle sorte que toutes les informations concernant botule soient en page 500. C'est sur le net, mais en page 500. Qui va voir la page 500? Personne, jamais. Donc effectivement, on est aujourd'hui capable, avec des moteurs de recherche, avec des usines à clics, etc., de faire de telles sortes... Oui, avec l'argent aussi, avec la marchandisation, avec le rapport que vous aurez au profit que vous rendez possible avec votre site, si vous avez accepté des pubs, des machins, etc. En fait, c'est quand même tout ça aussi. Hein. C'est-à-dire que le critère n'est plus le savoir, la science ou quelque chose qui serait digne de ce nom, mais c'est votre rentabilité dans les GAFA. Et d'un seul coup, vous allez chercher une information, et comme par hasard, sur la première page, vous allez cliquer sur la première page. Qu'est-ce qui fait que vous cliquerez sur la première page et sur la première information donnée sur cette première page? Personne ne se pose la question qui permettrait de savoir pourquoi c'est ce site qui se trouve référencé ici et là, maintenant, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas complotiste quand on dit que les GAFA ont intérêt à mettre en avant un certain nombre de sites, à mettre en arrière un certain nombre de sites, c'est-à-dire à faire passer des informations, à effacer des informations. Alors on n'efface pas comme à l'époque soviétique, mais simplement les informations, elles existent, mais tellement loin qu'il n'y a aucune raison que vous alliez les chercher dans des pages où de toute façon c'est totalement perdu. Donc c'est ça le danger. C'est-à-dire que cette espèce de... C'est pourquoi l'optimisme de Michel Serres me paraissait un peu malvenu, parce que les informations qui arrivent en tête de page sur Internet, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là parce qu'effectivement, il y a derrière des annonceurs, des gens qui font de l'argent, des gens qui ont une idéologie particulière. Et là, on va pas être dans le fantasme, mais ce sont quand même des gens qui actuellement travaillent au projet de transhumanisme, hein, quand même. C'est-à-dire que toutes les informations qui vont dans le même sens... Eh bien, elles sont triées, choisies, sélectionnées, mais pas par des gens qui sont là. Hein. Je vous avais juste des algorithmes qui sont faits et qui font de telle sorte que tout ça se fait à peu près naturellement. Des informations sont là, puis des informations ne sont pas là. Des sites sont là, puis d'autres ne le sont pas. Et de bonne foi, des jeunes qui viennent, ils disent bah, « on va chercher sur Internet, tac, on clique, tac, on a une page, tac, on a le premier site, on clique là-dessus, tac, on a l'info ». Eh, mais sais-tu pourquoi cette info arrive en tête de tes recherches sur Internet, oui ou non? La réponse est non. Parce que bien sûr, il faut faire tout un travail de réflexion dont très peu de jeunes sont capables parce que, comme jadis, nous, on allait dans une bibliothèque et on prélevait un livre ou on ouvrait une encyclopédie et on allait voir. Eh bien, il y a une espèce de pensée magique derrière les jeunes qui pensent qu'il suffit d'aller chercher sur Wikipédia. Merci beaucoup, Michel Onfray. Merci à vous.